Bien, salut à tous, c'est Le Motard. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel sur comment augmenter ou diminuer le ralenti de sa moto pour qu'elle puisse tout simplement ne pas caler quand elle est au ralenti ou tout simplement caler quand vous êtes dans un virage, ce qui m'arrivait beaucoup de fois avec ma moto parce que son ralenti était mal réglé. Et donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de tutos de ce que j'ai vu, donc il n'y a pas beaucoup de tutoriels pour les motos en général, donc je vais vous montrer. Donc après peut-être qu'il y a des variantes pour certaines motos, mais je vais vous montrer pour ma moto, ma 125, qu'est-ce que ça donne. Et donc pour cela, on va se retrouver au niveau de mon carter moteur. Donc au niveau du carter moteur, donc quand vous êtes ici, vous avez tout simplement un petit je sais pas si on va voir, vous avez un petit une petite vis, et cette petite vis va falloir la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour baisser votre ralenti, ou tout simplement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour augmenter votre ralenti. Donc moi, je tiens à préciser que ma moto avant avait 1800 tours minute au ralenti, je l'ai augmenté à 2000, depuis elle ne cale plus. Donc ce que j'ai fait, bah, c'est tout simplement j'ai baissé mon ralenti, donc j'ai tourné la petite manette, la petite vis plate, hein, pas la cruciforme, la vis plate. Et donc ça influe sur l'arrivée d'essence dans votre moteur. Et donc moi, bah, tout simplement, j'ai réussi à la recalibrer comme il fallait. Donc bon, ça consomme un peu plus d'essence forcément, puisque vous baissez votre ralenti, pardon. Donc forcément, ça va augmenter ou baisser votre consommation d'essence. Il faut le savoir aussi que quand vous augmentez votre ralenti, vous baissez votre compte tour minute au niveau de votre moteur. Quand vous baissez votre ralenti, vous augmentez vos compte tours. Tout simplement, j'ai baissé mon ralenti. Putain, je me fais encore la faute. J'ai baissé mon ralenti tout simplement pour plus que ma moto à cale. Voilà, sur ce, c'était un petit tutoriel sur comment augmenter ou baisser le ralenti de sa moto. N'hésitez pas à aimer si vous avez bien aimé cette vidéo, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Moi, je vous dis à une prochaine. C'était Le Motard. Peace and ride, safe les mecs. Salut. Follow me into the jungle.